à Jazz aux Éclats. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir en live un ensemble de Jam for Joy. De tes compositions, je pense. Oui. Qui s'intitule Novéolien. Qu'est-ce que ça veut dire, Novéolien? Alors, c'est novembre, nov. Oui. Et éolien, c'est un mode en musique, un mode antique. C'est le mode de la naturelle. Un vieux novembre. Jazz, je l'ai appris vraiment en contact d'amis musiciens avec qui on a évolué, dont Jean-Marc Robin, qui est présent aujourd'hui, parce qu'on se connaît depuis vraiment très très longtemps, depuis le lycée. Et cette musique est riche de rencontres et on apprend énormément avec les personnes que l'on a amené à fréquenter lors des concerts, des répétitions, des projets. On se connaît bien depuis plein d'années. On joue ensemble dans différents groupes. Alors avec des projets d'ambition parfois différentes, soit c'est un petit peu plus événementiel, soit c'est plus concert. Et très rapidement, on a monté le groupe Jam for Joy, avec lequel on a fait des rencontres vraiment très 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 intéressantes, pour aboutir aujourd'hui à ce groupe avec Jean-Marc Robin, donc Gauthier Laurent à la contrebasse, et donc toujours Sébastien Mimbourg, le chef du groupe, qui a mis en route ce fameux groupe. Sébastien, tu... Ben, oui, c'est vrai que tu vois, on parle beaucoup de styles différents, le classique et le jazz. Et c'est vrai que des gens, moi, comme Gershwin, Bernstein, m'ont toujours fait rêver. Et ce qu'on peut dire aussi, dans les années qu'on a connu le conservatoire, les années 80-90, les départements de jazz se mettaient seulement en place. Hein, c'est-à-dire que même parfois, quand tu étais... jazz, c'était à la cave et on le disait pas toujours aux profs qu'on en faisait. C'était rigolo, hein, c'était mais ça a fait son chemin, tu vois. Il y a autour de cette table, c'est vraiment des gens comme ça qui touchent à tout. Et je les remercie vraiment d'être avec moi aujourd'hui, quoi. Voilà, et développer tout ça. Donc là, on va vous jouer. Ouais, bon, on va aller se promener sur la route des crêtes, et puis vous imaginez les cloches, les vaches. Ça s'appellera ma chanson bleue. La chanson bleue. Voilà. Eh bien, à vous. Thank you.
messieurs, vous reviendrez, j'espère. On vous aurait bien gardé encore quelques instants. Hein. Merci, merci à vous. Continuez et tenez-nous au courant de vos réalisations. À bientôt.